Charles III sera couronné le 6 mai prochain. La cérémonie de couronnement du roi Charles III se précise et Charles III a fait machine arrière sur un moment particulier. Le couronnement du roi Charles III a se précise et les derniers détails sont réglés. Le 6 mai prochain, les Britanniques auront tous les yeux rivés sur l'abbaye de Westminster où se déroulera cette cérémonie événement, qu'il veut plus moderne et moins faste qu'auparavant. À quelques semaines seulement du grand jour outre-Manche, le nouveau souverain a fait machine arrière sur un moment sacré de son couronnement. Alors qu'il voulait filmer pour la première fois une partie de la cérémonie, il a finalement décidé de se faire oindre en toute intimité. Des sources royales connaissant la planification et les procédures du couronnement ont révélé que Charles II avait décidé qu'il devait respecter sa relation avec Dieu, comme l'a rapporté le Mirror. Pour se rapprocher de son peuple, Charles III avait un temps voulu rendre public ce moment intime, en étant caché sous une verrière portée par les chevaliers de la Jarretière. Une demande formulée par le nouveau souverain, désireux de rompre avec la tradition centenaire et montrer une nouvelle facette de la monarchie britannique, plus accessible. Mais il est finalement revenu sur son vœu. Charles III a en effet demandé aux organisateurs de suivre la tradition des monarques précédents pour le moment où l'archevêque de Canterbury versera de l'huile sainte sur la cuillère du couronnement, oignant le souverain sur les mains, la poitrine et la tête. Lors de son sacre, la reine Elisabeth II était assise dans la chaise du couronnement, sous un tissu tenu par les quatre chevaliers de la Jarretière, avant d'être protégée pour l'onction par les archevêques. Charles III, le moment le plus sacré de toute la cérémonie. Si est-il le moment le plus saint et le plus sacré de toute la cérémonie, où les monarques d'avant ont été confirmés, a assuré une source. Le roi prend son rôle et sa relation, avec Dieu, très au sérieux et continuera l'onction telle qu'elle a été effectuée auparavant dans son intégralité. Un porte-parole du palais de Buckingham a que les caméras de télévision ne montreraient pas l'onction sacrée du roi Charles III. Bien que le monarque ne soit plus considéré comme divin depuis plusieurs siècles, la cérémonie du couronnement le confirme également à la tête de l'Église d'Angleterre. L'huile chrismale avec laquelle Charles III et la reine consort Camilla seront tous deux oints a été consacrée dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem en mars dernier. Durant le service, il sera contenu dans l'ampulla en or et coulé sous la forme d'un aigle aux ailes déployées. À propos de l'auteur Lou du Crux politique et royauté sont mes dada, mais les people non. Presque, plus de secrets pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettantes, le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Léna Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami. Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ?